Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Fallout 4, toujours sur Far Harbor, chers amis. Donc, à l'heure où vous verrez ces vidéos, nous serons bien avancés dans le mois de juillet normalement. Cependant, j'ai eu quelques infos vis-à-vis des prochaines extensions, on va dire, du jeu. Et je dis bien on va dire parce que, encore une fois, je suis très déçu. Très déçu, pourquoi? Parce qu'en fait, les deux premières extensions qui vont arriver, donc courant juin, donc normalement qui devraient arriver pour moi dans très peu de temps, le 21 je crois d'ailleurs que ça commence, juillet par exemple, sont deux pauvres petites extensions d'ajout de contenu. Ce que j'appellerais de l'ajout de contenu. C'est-à-dire l'une, je crois, c'est la possibilité de faire des abris, et l'autre augmente le nombre d'objets dans les settlements, donc dans les différents lieux où on pourra rajouter des gens. Donc voilà, il faudra attendre le mois d'août pour avoir normalement, je crois, une plus grosse mise à jour. Je crois que c'est ça, hein. Je vais juste regarder vite fait pour être sûr avec vous, chers amis, hein, que je vous raconte pas de conneries. Alors, je fais juste ça vite fait, je l'ai sur mon téléphone en quelques secondes. Hop. Où est-ce que c'est? Hop, voilà. On recharge la page, je vous le dis tout de suite. Hein. Hop. Voilà, ça recharge. Mon réseau, voilà. Les prochains DLC, donc, c'est bien ce que je disais. Contraption de Workshop qui ajoutera donc des tapis roulants, des kits. Ah oui, déjà, ça. Là, il y aura donc de la redstone pour Fallout 4. Ensuite, il y a le Voltec Workshop qui rajoutera donc la possibilité de faire des abris en fait. Construisez un meilleur monde sous terre, etc. Donc bref, c'est vraiment Voltec, hein, c'est des abris sous terre. Et enfin, on a le Nuka World qui lui sera en fait le main DLC de ce nouveau lot, entre guillemets. Qui prendrait place dans un parc d'attractions. Voilà. Voilà. Donc encore une fois, dans ce DLC, nous avons... alors je sais même pas s'ils sont inclus au Season Pass, c'est même pas marqué. Je crois pas que ce soit marqué en plus, pour vous dire. C'est même pas marqué, je crois. Donc voilà. Encore une fois, on se trouve avec un DLC, une série de DLC où il y aura en fait très très peu de véritables DLC de travail. Je suis désolé. Hein. Honnêtement, je serais presque étonné que le fameux DLC du mois d'août, là, donc l'espèce de truc Nuka World, soit si bien que ça. Honnêtement. Donc bon. Cela dit, chers amis, nous avions pu voir dans le précédent épisode que nous avons peut-être potentiellement raté quelques petites choses vis-à-vis de Victoria Gibbons. En l'occurrence, sa malle. C'est une malle, je crois, qu'on a perdue. Qu'on n'a pas trouvée, en tout cas, plutôt. Et du coup, j'aimerais bien la trouver, justement, pour voir si, oui ou non, il n'y a pas la fameuse clé de Victoria dedans. Et voir si on pourra potentiellement, écoutez, tout simplement, ouvrir cette deuxième cage. Hein. Alors, c'est donc ici. Où est-ce que je suis à l'heure actuelle? D'accord. C'est donc par là. Et donc, quelque part par là, on a peut-être loupé une malle. C'est pas ça. Casier. D'accord. Il semblerait qu'on ait loupé quelque chose là-dedans. Quelque part là-dedans. Reste à savoir quoi et où. Donc dans la zone, on a loupé quelque chose. Apparemment. Je dis bien apparemment parce que... honnêtement, j'ai de gros doutes. Alors, est-ce que c'était au-dessus, dans la maison? Peut-être. Alors, monte. Hop. Voilà. Est-ce que c'était au-dessus, dans la maison? Je ne sais pas. Et apparemment, on a loupé quelque chose. Non, alors, on va juste vous remontrer quand même. J'avais mis help Victoria 0. Je crois que c'était ça. Hein. Voilà. Mal de Victoria. Je vais juste quand même aller sur internet. Fallout 4 Victoria Trunk.
Ah. Ok, ça m'aide pas. Ok, donc en fait on a juste, à mon avis, planté la suite de quêtes tout simplement à cause du différents dialogues qu'on a eu et particulièrement plutôt du dialogue qu'on a eu avec Julia ou Ju, oui c'est ça Jules, c'est June en anglais c'est pour ça. Donc voilà. Voilà pourquoi on l'a loupé. Eh ben écoutez, du coup, on va pas s'emmerder. On va pas s'emmerder. Donnée de quête, Hideo Acadien, récupération de disque. Voilà, et où c'est? C'est ici, port sud-ouest. Je l'avais déjà fait, je crois, avec vous, hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Hop, je regarde l'heure qu'il est pour bien tourner. Là, vous voyez, actuellement, c'est ma deuxième vidéo de la journée, et pourtant, je suis pas en avance. Mais c'est parce que je suis hypé par un jeu que j'ai envie de m'acheter pour moi et qui risque de passer sur la chaîne au bout d'un moment parce que je pense que je vais y jouer beaucoup. Le temps que je serai indisponible, donc pendant les 15 jours où je serai indisponible. Donc bon, on verra bien. On verra bien, mais il faut encore que je tourne énormément pour ces 15 jours. Alors, est-ce qu'il y a du monde dans le coin? Ok. Il y a encore un jukebox fonctionnel dans le coin? Non. Arrête tes putains de musique ou je vais paumer mes droits d'auteur! Hello! Voilà. Et donc, vous voyez ici, disque de stockage et surtout. Ah bah, ils sont. Combien qu'il y en a à choper? Ah merde! Oui, il y en avait trois, il y en a une Difficile ici. de crocheter ça. Donc, voilà, déverrouillage impossible. Et vous voyez, je suis coincé du coup. Alors. Parce que moi j'aime pas qu'on se foute de ma gueule. 0304 FA 99 1. Voilà, merci. Crac. Mais elle est même pas dedans! Mais what the fuck? Parler à Faraday, d'accord. On va juste faire une sauvegarde. Je suis persuadé qu'ils sont censés être 3 normalement dedans. Ils sont censés être 3. Ah, je suis coincé. Je suis coincé. Je rigole, mais je suis coincé, Canigou, hein, donc. Oh, TCL. Collision off. Oh là là. Hop. Crac, je crois que j'aurais jamais utilisé autant de. Ah. Cartouche, cartouche, jet. Jet sur métal, miner's ring. Putain, j'y ai cru. Bande d'enfoirés. J'y ai cru. J'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru. Vous êtes tous des enfoirés. Ah, ce qui me fait penser, putain. Quand il va sortir le nouveau South Park, il sera sur la chaîne, chers amis. On va tellement se faire du bien avec. On va tellement se faire du bien. Bon, bah écoutez, fuck it, hein. Fuck it, fuck it. Acadia, Faraday. On va pas s'embêter. Hop. La colline d'Acadia a été fondée comme refuge pour les synthétiques libérés qui souhaitaient vivre en paix, j'imagine. J'ai pas le temps de nous lire la suite. Acadia. Hop, avec la texture de la porte, s'il te plaît, merci. Hop. Ah, bah. Sachant que je me suis brossé les dents après mon repas, et là je bois du pulque au citron, je peux vous dire que c'est un goût bizarre dans la bouche. Faraday! Oui? Disque de stockage. Le disque de stockage que vous vouliez. Oh, formidable. Merci. Il n'y en a que deux? Vraiment? Je pensais qu'il y en avait trois. Il y a un problème? Je n'avais pas précisé combien je devais en trouver. Il y a un problème? Non,
aucun problème. Pas vraiment. C'est juste que je suis quasiment sûr qu'il y en avait trois. Eh bien, d'accord. Vous avez rempli votre part du marché, je remplirai la mienne. Donc bon, bah bizarre. Merci de les avoir récupérés. Bizarre, bizarre. Ouais. Fallout 4, disque de stockage. Bon bah non, pas plus d'informations. Pas plus d'informations du tout. Idéo acadien terminé, près de chez moi, d'accord, ok, bon bah c'est fini. C'est littéralement fini. Bon. Bon. Eh ben on va se rentrer. On va reprendre le bateau de manière complètement RP. Hein. On va reprendre le bateau de manière complètement RP. Est-ce qu'on a juste des bâtiments qu'on n'a pas... On a des trucs proches autour. Tiens. Océan. Ah bah tiens, ça a l'air sympa ça. On va aller se le visiter. Allez. Soyons fous. Océanarium. Ah, c'est vraiment stylé. Hein. C'est vraiment stylé. Il va vraiment falloir que je me fasse un robot si j'ai le temps. Ça peut être stylé. Mais enfin. Alors. L'ouest, le sud, donc le nord. Ok, nous voilà repartis. Non, j'ai cru voir quelque chose au loin, bizarrement. Bizarrement. T'as été ravagé dans le coin. Alors. Viens voir papa. Non. Oh, il la recharge 8000 fois par contre. C'est simplement ça? Ah, y'a des mecs! Bam! Next! C'est pas. C'est un espace pitoyable? Un trappeur pitoyable ou. Oh, il avait deux steampacks sur lui. Oh! Arrêtez de grogner comme des abrutis! Boum! On y est bien sur place. Et rien. Oh. Bah pour le coup, il y a un gros poisson qui s'est mis sur eux. Ok. Un harpon, why not? Ce serait bien le genre d'endroit où on trouverait un harpon genre légendaire, vous savez. Avec des stats de fou. Un vendeur de glace qui avait des jouets pour enfants. Vous voyez le malaise ou pas là? Moi je le vois bien le malaise. Bon. Et sinon, tout ce qu'il y avait dans l'endroit. Et B. Ah, des munitions. Crap, j'ai pu choper une canne à pêche au passage par contre. C'était pas prévu, mais bon, d'accord. Et donc, je sais pas, je peux grimper sur son dos, non? Non, même pas. Et donc, c'était juste ça. Ok. Attendez, un truc plus intéressant. Je veux bien l'admettre. Je dois bien l'admettre, je m'attendais à un truc intéressant. Je suis un peu déçu. Rien dans le coin en plus. On va partir vers le sud. Tiens, il y a un hôpital là-bas. N'en tombe pas, Marcus. Bon, tant pis. T'es tombé. Tiens, regardez, là-bas, il y en a un. Attention. 3, 2, 1. Ah non, il était là. Hop, couché. Non, j'aurais juré qu'il était là-bas. Ok, mais je me trompe. Why not? Ce sont des choses qui arrivent.
ce sont des choses qui arrivent. Bon, bah, écoutez, pourquoi pas, hein. Oh, peut-être pas drôle. Il y en avait un deuxième. Il m'avait empêché d'avoir le deuxième. Vous êtes tous des salauds. Alors. Je déteste les marées. Il y a un truc. Oh, mais c'est pas là qu'il y avait genre 10 000 super mutants ou un truc comme ça? Oh non. Viens jouer, microbe. Fais pas boum! Hein? Ouh! Mais c'est pas cet endroit-là que je pensais. Il y a bien des super mutants, mais... Spa Aldercy. Oh, bonjour. Boum. Oh, il a déjà muté. Boum. Ah, mais il est descendu. Bon, il marche comme un con, du coup, maintenant. Oh. Boum. Il a plus de tête, cela dit. Crac. Oh, meurs. C'est même pas drôle. D'accord. Canigouette. J'ai cru entendre un bip. Et ça ne me plaît pas. Soyons honnêtes. Ce machin qui a été complètement... complètement sécurisé par les super mutants, c'est épique. Je peux grimper? Oui, je peux grimper. C'est quoi ce bruit? What the... Hop, frappeur super mutant. Spa Aldercy, expert. Hop, ça n'aura pas été si dur que ça, finalement. Ouais. Allons-y. Entrons, chers amis, entrons. Je vais t'arracher les tripes et en faire un collier. Non, pardon ? T'as dit quoi ? Tiens, bouffe celle-là. Boum ! C'est con ce qui t'arrive. Oh ! Putain, il m'a foutu les boules ! Dégage ! Putain, il m'a tellement foutu les boules, ce con ! Boum. Il fait vachement mal ce truc. Apparemment il est par là, mais il est pas là, mais il est par là, mais il est pas là. Mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là. Un 44. Qui fait plus de dégâts. Stylé. Je suis complètement full, cela dit. Canigou. Hey. On va échanger des choses. Tiens. Dans les armes qui coûtent cher. Ah non, qui... Prends le... Oui, le... Ah bah merde, tu peux rien pour en sortir de plus. Ah, merde. Merde. Hop. Mais merde. Si, les pigeons, faut les garder. Sac de ciment. Voilà, et au final, ça ne m'arrange pas. Je pensais que ça le ferait. Ok. Hop. Merde, non, ce que je voulais faire c'était le jeter. Voilà, c'est bon. Hop. Oui, bah écoute, je vais te faire souffrir autant que tu veux essayer de me faire souffrir moi. L'île. C'est pas intéressant. Ici c'est un escalier. J'ai vu une porte. Avancez. Ok. Ah, nom de Dieu. Hop. Crac, voilà, c'est fait. Joli. Ouvre. Oh, un plus gros coffre. Avancez. Hop.
génial. Voilà. Hop. Mon chien est en train de péter une durite. Ok, rien d'autre d'intéressant apparemment. Bon. Ah, si. Nous sommes l'avenir. Je suis pas tout à fait d'accord, ton avenir étant assez restreint maintenant que je suis arrivé dans le bâtiment. Hop. Et de 1. Et de 2. Ah bah merde. Oui, Kanigou, vas-y, bouffe-le, la jugulaire. La jugulaire, Kanigou. Tu cognes pas Kanigou? Comment qu'il a bitch slap Kanigou? Bon. Est-ce qu'il reste des êtres vivants? Ou est-ce que la musique va se calmer? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh, c'est le sauna. Ok. Et donc, le spa. C'est tout ce qu'il y avait. Bon. Cartouche. C'est à moitié dégueulasse comme flotte, hein. C'est à moitié dégueulasse. Bon, bah écoutez, je m'attendais un petit peu plus complet comme zone. Mais c'était la maladie un petit peu de ce jeu, hein. C'est beaucoup de bâtiments fermés. Et le peu de bâtiments dans lesquels tu peux entrer ont très peu de quêtes. Et pas grand chose dedans. C'était véritablement la maladie de Fallout 4, hein. C'est toujours la maladie de Fallout 4 d'ailleurs. Mais on voit même que pour une petite zone entre guillemets, avec très peu de bâtiments dedans, on a au final pas beaucoup de quêtes, hein, vu qu'on en a fait pratiquement le tour, hein. Voire même on en a peut-être fait entièrement le tour. Donc voilà. Sur la carte il m'affiche rien d'autre. Potentiellement par là j'ai des choses. Apparemment tout a été déjà trouvé. Ok. On va partir par là, on a un grand vide. Alors je ne rêve pas. Ça ressemble à des super mutants. Il me les bip pas sur le Pip-Boy pour l'instant. Excusez-moi, je suis en train de mourir. Je suis tout à fait en train de mourir. Ok. Alors de toute manière, là, s'il me voit de là... Et de deux... Hop. Les deux à surveiller le pont peut-être. Hello. Et son copain, il est là. Bah non, il lui a laissé des choses lui. Ah, j'ai pas le droit. Oh non, tombe pas dans l'eau Marcus, tombe pas dans l'eau. Il y a trop de risques à tomber dans l'eau. Il y a trop de risques. Et donc, il n'y a strictement rien dans le coin. C'était juste histoire de dire qu'il y avait potentiellement des super mutants autour, j'imagine. C'est quoi? Petite maison. Ok. Avec quelques ghouls, semble-t-il. Un Lofus là-bas. Ah putain, il m'a foutu les boules. Mais ils sont chiants, ça. J'ai les boules en ce moment. Tiens, si je te rate de là. Oh mais putain. Comment j'ai pu te couper de là? J'ai des dégâts incendiaires. Ok. Oh, il m'a craché dans la bouche. C'était absolument dégueulasse. Et j'ai aucune balle qui passe. Je
Regardez le nombre de balles que je lui mets. Le mec c'est un gruyère en vrai. Le mec c'est un gruyère maintenant, mais non. Hop, le dernier point qu'on a à mettre là-dedans. Et c'est bon. Du coup, maintenant il me faut une arme de corps à corps. Et je me trompe pas en disant que j'en ai pas. Ah si, j'ai la 8. Je crois que c'est une arme moisie de corps à corps aussi. Don't Fear the Reaper. On va la mettre en 8. C'est le défonce barrière, c'était quoi? Ah non. Voilà. Hop. Non, non, je voulais remettre là, justement, le défonce barrière. Merde. Pourquoi tu me redonnes pas en 8 Ah bah voilà. En plus, elle est tapée dans les ennemis qui se décapitent. C'est bien ça le bonus, hein, on est d'accord. Hein. Ou d'exploser la tête de la cible façon grand chelem. Voilà. C'est bien ce que je disais. Donc avec une hache, ça me semble pas trop mal. Y a-t-il des ennemis dans le coin? Y a-t-il... Il y a une armure assistée. Il y a une armure assistée. Hop. Une T51. Bon, très classique. On va rentrer dedans. Alors, pourquoi? J'ai plus que 335 de trucs. Ok, donc c'est pas la peine. On la sort juste pour voir. Oui, parce qu'en fait, ça annule tous mes sacs et tout ça autour. D'accord, ok, je viens de capter. Eh ben, l'armure spéciale Vim, d'accord. Vim, c'est rafraîchissant. Ok, par là, eh ben des ennemis. Non? J'ai éradiqué... Ah, attendez. Hop, ça l'a désarmé. Capitaine, oh capitaine, mon capitaine. Ah mais merde. Oh capitaine. Ah mais merde. Oh capitaine, mon capitaine. Mais... Il n'y en a pas un seul qui veut tenter le coup du grand chelem. Oh capitaine, mon capitaine. Oh putain. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un dans le coin. En train de traverser toute l'île pour trouver un truc. Un pauvre ennemi humain. Il y en a pas un. Et je crois que je suis en train de rentrer à Far Harbor tellement. Je crois que là on va pas tarder à passer au passage. Voilà, pour monter à Acadia. C'est ça. Je suis en train de rentrer à Far Harbor. J'ai éradiqué toutes les menaces de l'île. Voilà, ça c'est fait. Eh ben écoutez. On a le mérite d'être talentueux dans ce qu'on fait. En termes d'éradication, nous sommes clairement les meilleurs. Vu que ce truc là, je l'ai pété dès le premier épisode de Far Harbor et qu'il n'y a toujours pas eu de repop dessus, je me dis qu'on a littéralement eu tout le monde. C'est génial. Non, franchement, c'est génial. L'île est safe en dehors du brouillard. Bon. Eh ben écoutez, on n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est reprendre le bateau, chers amis. Hop. Allez, salut les gens. Hop. Crac. Commande du bateau, allez au Commonwealth. Et en tout cas les amis, nous, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom, ne pas trop bien dans les barres de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et vous inquiétez pas, normalement la suite devrait arriver assez rapidement.
me semble que j'ai encore quelques vidéos à tourner pour vous avant de passer à Technomancer et Lego Star Wars. Salut !